Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait? Niveau 8. Moi je fais niveau 8. C'est bon ça, niveau 8. Yo, Gondark. Comment ça va? Fatigué moi. Fatigué, fatigué. Dur le dimanche. J'ai regroupé toutes les données des cryptarques au sujet du temple de Kroptar. Ouais, écoutez. Jadis, la lune tomba aux mains de Kropta, dont l'épée était capable de détruire la lumière. Ça me paraît à présent, fort. Kropta toi, dort, mais son épée, elle veille encore. Les arcanistes croient qu'elle est gardée par les princes de la nuée. Si vous parvenez à la récupérer, nous ferons en sorte que plus jamais elle ne soit brandie. Ouais. Ouais, ouais. Grosse soirée hier. La seule manière de détruire l'épée est de tuer ses créateurs, les princes de la nuée. On dit que l'un d'eux garde le site d'un rituel près du gouffre des enfers. Commençons par lui. Mais bon. Il faut se reprendre. C'est fait pour ça le samedi en même temps. Site du rituel et droit devant. Je trouve ça quand même qu'il y a toujours des joueurs. C'est absolument incroyable. À chaque fois que je lance une partie de Destinien, il y a quand même des joueurs. À chaque fois, je me dis je vais être tout seul. Mais en fait, non. Il y a toujours des gens qui jouent. Incroyable. Alors. C'est ici que nous le trouverons. J'espère que vous êtes prêts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là. Ça, c'est tellement dur. Hein. J'ai plus l'habitude. C'est une Red Bull. Là, il faut quelque chose sponsorisé, la tête de ta gueule. Il faut un pack entier. Parti en bannière tout de suite. Oh là, oh là. Je vais mourir. Salut Greg. De moi, je vais nous conduire jusqu'au autres. Calme, pas. Ouais. Mais ça fait du bien un peu de calme. Mais je dois aller où moi? Trouver l'épée. Ok. Et l'épée. On aide à la visée. On va l'avoir sur PC et là, on va ta mire qui bouge toute seule, c'est chaud. Oh,
micro pas assez fort, mais je pense que c'est surtout surtout la console qui est trop forte. J'avoue, je suis un peu en galère là. Mais je vais me réveiller hein, petit à petit. Ça va, Vatax? Dites-moi si c'est mieux là. Sans vouloir vous faire peur, j'ai repéré l'épée près de la lumière des gardiens qu'elle a tuée. C'est un peu plus bas. Ta 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 la ta. Ben déjà, ça me fait moins mal aux oreilles, moi. Du coup, je pense pour vous aussi, ça va être mieux. Après, j'avoue que j'ai plus de voix. Déjà que. Je criais pas l'habitude de crier, mais. Là, j'ai vraiment plus de voix. Oh, le bâtard. Putain, faut que je trouve des armes cool là. Des trucs trop nazes. Ah, c'est bon. Parfait. Parfait si c'est bon. Il y a toujours du monde que ça intéresse, Destiny, hein, c'est incroyable. Ça. C'est fou. C'est complètement fou. Oula. Mais foutez-moi la paix, bordel. Allez, des petits péteux. Tirez-vous les péteux. Peut-être recharger ça, ça peut servir. Hein. Sur D1, je fais rien, je fais la campagne. J'ai tout repris du début en fait. J'ai recréé un personnage pour refaire la campagne, parce que ça me faisait marrer. Et en fait, j'avais pas du tout envie de faire du Destiny 2. Donc, bah voilà, Destiny 1. Ça change. C'était totalement raté. Non mais c'est dur à viser une prêtresse avec une manette. Je m'en souvenais plus. C'est la merde. Ouais, je suis grave. Pourquoi je peux pas prendre? Hé, hey, casse-toi toi. Donne-moi l'épée. Prenez l'épée. Ça devrait les forcer à se montrer. Savez, moi j'y retourne pour me faire un crop top de temps en temps. Hein, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Je me rappelle des touches avec la. Non mais en plus je suis en illimité, moi je m'en fous. Ouais. Non, moi j'aime bien des deux mais j'avais pas envie d'y jouer. J'attends la prochaine saison. J'attends la prochaine saison. J'ai envie d'une nouvelle activité en fait. J'aimerais bien un truc un peu fun. En vrai, là, faire que les assauts, le PVP, le Gambi. J'aimerais bien un autre truc un peu sympa quoi. Il y a du mouvement tout autour de nous. Les princes de la nuit sont là pour l'épée. Oh là. Oh là. Calmez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je me souvenais plus qu'on pouvait faire une méchante attaque super. Ah, le Gambit, j'aime bien. En fait, je détestais le Gambit. Et depuis que j'ai farm pour la PM et la 21% Delirium, je kiffe ça de fou. Je trouve que c'est vraiment le meilleur mode de jeu. Après, le Gambit prestige, quoi. Faut pas jouer en Gambit normal. Faut vraiment jouer en Gambit prestige. Ça change tout. C'est comme le PVP joué en classique et en compétitif. C'est
tellement mieux le compétitif que le classique en PvP. Pourquoi il s'envole? Allez, ça dégage. Oula, oula, je vais mourir. Oh là là, oh là là. Oh là là, faut faire des nuits noires. Ouais, mais j'ai même pas envie en fait. Je pense que c'est le lendemain de soirée aussi, j'ai rien envie de faire. Du coup, je me suis dit, vas-y, Destinia pour la rigolade, ça ira bien. Cassez-vous. Cassez-vous. Un all boss raid serait pas mal. Vous les avez tous tués. On dit que c'était l'une des armes les plus puissantes jamais brandies contre nous par la ruche. Les cryptarques n'en croiront pas leurs yeux. Non, je pense que je vais attendre la saison, la nouvelle saison. Déjà attendre mardi, savoir ce qu'ils vont nous annoncer. Savoir si on a le seum ou pas. J'espère pas. J'espère que ça va être bien. Vraiment. Et puis, puis après, voir. De toute façon, saison solaire. Voir la nouvelle activité, chercher un peu des nouveaux builds, tranquillou. Et puis on verra bien. Ah mais complet là. Complet, je te dis, moi j'attends vraiment la prochaine saison en fait. Oh là, mais... On passe de 37 à 42. Bam. Ça, c'est bien. Hop. 64, 53, ça dégage. 49, 52. Démantèle-moi cette merde. Ça aussi. Allez. On y retourne. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, la dernière fois j'ai voulu faire un assaut. Ça a été l'enfer. Je vais déjà faire les missions. Et après je vois si je tente l'assaut. Mais c'était un putain d'enfer. J'étais tout seul. J'ai fallu faire l'assaut tout seul. Horrible. Interminable. Un message urgent arrive sur tous les canaux. Ça vient du guide. Nous devons agir maintenant. Nous pensons que la ruche a entamé un rituel dans le but d'éteindre la lumière du voyageur. Cette puissance à laquelle elle fait appel... Moi j'aimerais bien qu'on puisse gagner un peu des équipements un peu mieux, genre en Gambie ou des trucs comme ça. C'est tout le temps un assaut 100K. Moi j'aimerais bien qu'avec le Gambie, tu sais, avec les rangs de gloire ou des trucs comme ça, tu puisses gagner. Merde, oh, jette la grenade dessus. J'aimerais bien que tu puisses gagner des trucs. Que ce soit en PVP ou en Gambie. Ah oui, il faut scanner la faille. Allez, l'autre. C'est parti. Ok, il y a du monde là-bas. Oh là là, comme ça bouge. Qu'est-ce que c'est ce fusil là? Fusil de l'enfer. Qu'on a eu rien de la merde. Comment je le rate? Comment ça? Quand est-ce que j'ai commencé Destiny? Bah avec Destiny 1. À la sortie de Destiny 1 tout simple. Oh et fous-moi la paix toi. Putain. Laisse-moi tranquille.
Une seconde. Je l'ai. Ah si, ça mange les. Ouais, sur Destiny, hein, dès que c'est sorti. Et j'ai jamais arrêté depuis. J'ai jamais joué à fond, on va dire, parce que j'avais pas le temps. Mais je me suis jamais arrêté. C'est trop bien, Destiny, c'est trop bien. Bungie, ils font péter les plombs des fois, mais en vrai, c'est magique comme jeu. On râle, on s'énerve dessus. Parce que des fois, ils font de la merde, mais. Mais dans le fond, c'est énorme ce jeu. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qui est rare? Dès qu'ils ont commencé depuis le début? Non, mais on est plein à avoir attaqué depuis Destiny 1 et à toujours jouer. Je pense que Destiny, c'est un peu le jeu, tu vois, tu fais des overdoses. Tu joues trop, tu pètes un plomb, Bungie, ils te sortent un peu de la merde, tu deviens fou. Puis après, tu reviens. Moi, ça a toujours été un peu ça. Je joue. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah putain, je me souvenais pas qu'il y avait une. Moi aussi, D1. C'est pas mal. Vous m'intriguez. Moi, Gears of War. Ah putain. Gears of War, c'est bien aussi. Qui est-ce? Je ne sais pas. Non, mais Destiny 2, c'est bien. Gardien, je sais ce. Mais c'est toujours pareil, tu sais, au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond, en fait. Mais vous n'avez tu fais toujours les mêmes choses, du coup, faut se changer un peu les idées. Moi, j'arrive pas à jouer tout le temps dessus. Descendez, pas possible. Affrontez la ruche, et si vous survivez, venez me trouver. Du coup, de temps en temps, je joue un peu à autre chose, parce que autrement, tu pètes les plombs. J'ai perdu le signal. J'ai pu noter quelques coordonnées. Vénus, l'hémisphère nord, la région d'Ishtar. Génial. Que fait-on alors? On descend. Allez, on descend. C'est parti. Ouais, après, je sais pas si ça vaut pas des 1. Je pense qu'il faut qu'on tous les anciens, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête de comparer les deux. Destiny 2, c'est Destiny 2. Après, est-ce que c'était mieux, moins bien? Franchement, il y a des trucs qui étaient grave mieux. Il y a des trucs quand même, je pense, qui étaient moins bien. On est tous un peu nostalgiques, mais en vrai, Destiny 2, c'est pas si mal. On rigole bien dessus quand même. Après, voilà, ils ont voulu changer plein de trucs, en fait. En fait, ils avaient quelque chose qui marchait bien. Et on sait pas pourquoi, ils ont voulu un peu tout changer. Pourquoi j'ai des putains de mouvements de... Avec la manette, c'est chaud. Hein. Je trouve ça trop sensible. Ou alors, c'est moi qui bouge trop mes sticks. J'ai plus l'habitude. Oh, il est tout pété, son ulti, là. Dégueulasse. Vraiment pété cet ulti. Ça fait une espèce de vieille boule dégueu qui tombe devant toi là. Et ouais, je pense qu'ils auraient dû garder, en fait. Ils auraient dû garder D1, ils auraient pas dû vouloir tout changer comme ils l'ont fait. Ils auraient dû se détendre un peu quand ils ont sorti Destiny 2. Il y a tellement de trucs qui allaient bien. Après, je trouve que voilà, plus ça va, en fait, plus Destiny 2, c'est ça s'améliore. C'est au moins ce qu'on peut se dire, c'est que ça va dans le bon sens à chaque fois. Ça revient pas en arrière.
L'avantage de Bungie, c'est que c'est quand même des gens qui écoutent bien la communauté, qui rectifient pour que le jeu continue à perdurer, quoi. Mine de rien, ça, la licence, elle commence à avoir de l'âge et t'as toujours des gens qui sont dessus, t'as toujours des anciens qui jouent toujours. Et ça veut dire que dans le fond, le jeu, il se porte bien, en fait. Même si, voilà, des fois, on est énervé parce qu'il nous sortait grosse connerie. Mais dans le fond... Oh là là, mais pourquoi ça décale ma visée comme ça? Je comprends pas. Je sais pas quoi c'est dû. J'ai pas l'impression de bouger trop mon joystick pourtant, mais... Je sais pas. Pendeurs de la ruche, les mêmes que sur Terre. Si nous n'y mettons pas un terme. Ah, mieux là. Moi j'aurais bien aimé un D1 remasterisé sur PC, juste pour les graphismes. Ça m'aurait fait grave plaisir. Non, non, mais tire-moi pas dessus, toi. Calmez-vous. Oh là là. C'était tellement raté. Non, mais... J'arrête de jouer au lance-roquette, moi. Je comprends pas comment on fait pour jouer avec une manette. Ça fait... Tellement longtemps que j'en ai pas touché une que je suis en galère totale. Et heureusement en plus je joue avec une Necronomicon avec les gâchettes, parce que sinon j'y arriverais pas. À l'enfer. T'as tellement pas toutes les touches comme t'as envie. Puis ça bouge trop. Là. Putain, mais je gagne que des engrammes, je gagne rien que je peux équiper tout de suite, c'est super chiant. Voilà. Oh là. Cassez-vous. Ah si, tiens. Petit truc qu'on peut équiper. C'est parfait. Tirez-vous. Non mais attends, le mec, il ne pas toucher par le super. Quelle escroquerie ce jeu. Quelle escroquerie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tuer les sorcières du siphon. Et allez, allons-y. Tuons des sorcières. Je peux peut-être y mettre un coup de roquette là, pour le coup. Ouais, ça fait déjà une en moins. Parfait. Ah mais je vais pas me faire attaquer par des ogres après. Putain, je me souviens plus. Un truc comme ça. Elle est où Josette. Voilà Josette. C'est terminé pour toi Josette. Ah non, c'est fini. Ah non, c'est pas fini du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Ok.
c'est tout. Ah non, oula, c'est pas tout du tout. C'est pas du tout tout. Pas du tout du tout. Doucement. Calmez-vous. Voilà. Oh là, oh là. Puis alors là, pas de faille, y'a rien. C'est la merde. Ça, c'est une belle invention de Destiny 2 quand même, les failles. Pour l'arcaniste. Oh là là, oh là là. Oh là là, cette manette. On va y arriver. On va y arriver, on a du pompe. On y va. Et ça tire à côté. On y va. La petite grenade. On y va. Et voilà. On a un petit super. Il me semblait qu'il y avait un ogre. Mais j'ai pas l'impression en fait. Chercher les... Si. Si, si. Train d'énergie, on s'en fout. Yes. Yes, yes, yes. Allez, encore un pompe. On a que des pompes. Que des pompes. Ah non, mais... Comment il a un crâne... Genre, je peux pas le tuer. What the fuck. Costaud. Il est grave fort. Allez, dégage. Casse-toi. Oh là là. C'est dur, mais c'est dur. Quoi au fait? J'ai pas gagné des trucs un peu. La pompe, ça, ça. Putain, j'ai vraiment que de la merde pour l'instant. L'utiliser contre le voyageur. Ça me dit bien ça. Nous l'avons libéré. Et il est rentré. 52, 51. Et notre nouvel ami disait que les ennemis sont encore pires sur Vénus. Ouais, ça j'y viens. Génial. On va aller voir le cryptarque hein, quand même, je pense. Ouh. Niveau 11. Est-ce qu'on peut pas équiper des trucs? Et si, voilà. Équiper la péteuse. Parfait. Parfait. Et ça, c'est niveau 12. Allez, ramène-nous. S'il te plaît. Salut Enzo. Comment ça va? Alors... 49, 58, ça c'est parfait. Vas-y, je vais rentrer à la tour. Je vais rentrer à la tour. Oh, mais l'épreuve. Moi, je vais sûrement pas essayer l'épreuve avec une manette. Ça va être l'enfer. De me faire démonter.
mais démonté. Bah moi ça va. Fatigué. Fatigué, c'est fatigué, mais ça va. Ah mais j'avais le champ solaire aussi. Hein ? Est-ce que on fait le champ solaire ? On reste en abyssal. Non, je vais rester en abyssal. Quoique champ solaire. Il y avait la. Je peux me ressusciter ? Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, déjà, Cryptarch. On va déjà faire ça. Donne-moi des trucs, toi. Alors, qu'est-ce qu'il a donné ? 80, 55, 55, ok, donner de la merde. Tu serais pas ami avec Xur, toi, par hasard, pour donner de la merde comme ça. Ça, ça, ça je peux toujours pas. Ok, je vais aller causer à tout le monde. Ah, je peux causer à Iris. Vous en voulez encore ? Énorme. Voilà. Je savais bien que vous aviez. Voilà, donne des trucs, toi. Avez-vous besoin d'équipement neuf ? Qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre les bottes. Parce que je crois que j'ai vraiment des bottes de merde. Voilà. J'avais bien raison. Ai-je réclamé votre présence, Arcanis ? Si vous voulez mon respect, il vous faudra d'abord la vérité. Nous ne pouvons plus ignorer. Salut de la part des Caraïbes. Putain, ça fait un salut de loin. Oh, il fait beau chez vous un peu. Nombreux sont ceux qui ont trop peur. Fais-moi rêver un peu, parce que là, je peux te dire que il fait pas beau où je suis. Le point de Croptar. Il fait 0 degré, il pleut toute la journée, il fait nuit. Ça fout la mort. Dis-moi que chez toi il fait beau et chaud. Salut Stéphane. Bah oui, un petit peu de D1, ça fait du bien de temps en temps. J'avais rien envie de faire sur Destiny 2. Du coup, on a ressorti la PS4 et en avant. Votre retour nous inspire tous. Réquisition d'armes. Ce bon de commande pour une arme doit être remis. Ah oh. Allez. Entendu. Cool. Votre lumière. On va récupérer une arme. Donne une arme. Oui, très beau surtout. Oh putain, 30 degrés. Oh, c'est bon ça. C'est trop bien. Ça fait plaisir. Ça réchauffe le cœur, ça. Qu'est-ce qu'il donne, lui ? Ah oui, il donne des contrats. Vas-y, je les prends. Je m'en souvenais plus qu'il donnait des contrats. Mais c'est bien qu'il y en ait des vieux de la vieille. Oh, un flingue ! Ah, mais par contre, moi, je joue comme une quiche. Est-ce que j'essaye ? En vrai, sur Destiny 1, j'adorais les fusils d'éclaireur, alors que je déteste ça sur Destiny 2. Oula, 4 de balles, non. Fusil impulsion, toujours fusil impulsion. C'est ce que je préfère. Allez, fusil impulsion.
Putain, je me souviens. C'était quoi cette zone? Ah oui. Ah bah, il n'y a pas le vaisseau au fond. Il faut que je retourne là-bas? Non, j'ai rien à foutre là-bas. Je vais retourner en orbite. On va relancer une. On va relancer une mission. T'as attaqué sur Destiny 1 aussi, Stéphane? Oula, Vénus, la dépression d'Ishtar, découverte d'une nouvelle destination. Putain, je me souvenais plus de tout ça. Attends. Du coup, sur la Lune, on a quoi à faire? Non, en vrai, je vais pas faire d'assaut parce que l'assaut, ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué, il va y avoir personne. On va rien pouvoir faire. Parce qu'il y a un peu des joueurs encore sur Destiny 1, mais il y en a quand même pas des masses. Et du coup, les assauts, c'est quand même grave la galère. Tu te baignes un peu, Johan, du coup? Nous nous sommes rendus sur la Lune en quête de vengeance, mais il nous a trouvés en premier. Cropta, le fils d'Oryx. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. À la fin, il ne restait que moi. Cropta et ses armées ont détruit la Lune. Comme ça, du coup, j'y prends, vu que j'ai pris un impulsion, c'est parfait. Je crains que la 64, 50. Même sort. Il me donne vraiment que de la bouse, putain. C'est incroyable. Bon, pour l'instant, franchement, j'aimerais bien. Pour l'instant, j'ai relancé un personnage. Mais à terme, je pense que je demanderai à certains s'ils sont chauds pour refaire les raids. Genre pour tous les joueurs de Destiny New Light qui ont jamais vu les raids de Destiny 1. Je pense que ça pourra peut-être en intéresser certains. Mais pour l'instant, faut que je réapprenne à jouer avec une manette. Et c'est chaud. Je sais plus du tout faire. Je galère de ouf. Donc je suis pas prêt d'aller faire un raid pour l'instant. C'est un peu la galère. Ah ouais? Ouais, pour faire un assaut l'autre coup. J'étais tout seul dans l'assaut. J'étais avec des gens mais ils jouaient pas, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ça me faisait péter les plombs. Ils se cachaient derrière des cailloux, ils ne faisaient rien. Merde. Du coup ils jouaient pas, c'était relou. Oh là là, mais attends, mais elle est incroyable. De merde, je peux plus te voir toi Omnigoule, on a marre de toi, on te déteste de toute façon, on devrait le savoir pour le temps. C'est bizarre parce que tu sais, tu te dis les mecs ils font un assaut, bah ils jouent quoi, mais en fait non, ils font un assaut mais tu sais pas ce qu'ils font. Ils dorment. Oh je la rate, comme je l'ai raté sa mère. C'était terrible comme je l'ai raté. Par contre je lui fais zéro dégâts, c'est un peu chiant. Ah bah elle se casse. Il me semblait bien que... Et tu joues que à Destiny 1 ou tu joues à Destiny 2 aussi? Sargon est le premier disciple de Cropta. Ses armées ont aidé à détruire la Lune et à la réquisitionner pour leur maître. Sa présence ici est un signe. La ruche se prépare à éveiller l'âme de Cropta. Comme pique lui. Ah yes.
petite épée, bien propre. Ouais, 1 et 2. Bah là, je te dis, moi, je reprends juste mon... Ciao, Vatax, merci d'être passé. Je fais juste... pour le fun, en fait. Destiny 2, je joue sur PC. Mais de toute façon, je ferai un... Quand j'aurai le niveau, je ferai un post pour demander ceux qui veulent tenter un raid. Donc du coup, je récupérerai les pseudos. Les pseudos à ce moment-là sera plus simple. Ah non, je vais la perdre. Je l'aurais bien gardé. J'ai survécu des années dans les tunnels de la ruche, sous la lune, me fondant parmi les ombres comme le fait la ruche. Gardez les yeux ouverts. Ta ta ta. Je crois que je vais me battre contre un chevalier là, non? Il me semble que c'est ça. Putain, je me souviens de tout. Crevez, bâtard. Oh là là. Oh mais il fait trop mal. Ce n'est plus qu'il fait ça moi. Il va me déchirer. Wow. Je vais crever. Je vais totalement crever. Non non non, un raid. Un raid sur Destiny 1, je voudrais faire. Mais sur Destiny 2, ça pourrait être une idée aussi. Maintenant que Sardon est tombé, venez me voir. Attends, vas-y, je vais noter. Il y a encore à faire. Le reste des disciples de Kropta n'abandonnera pas tant que la Terre ne sera pas prête pour le retour de leur maître. Mais en vrai, je joue tellement mal avec une manette que c'est chaud. C'est trop chaud. Ok, super. Sympa la récompense de fin. Il me semble que j'ai validé un contrat, si je dis pas de conneries. Oui. Oui, oui. Bah, t'sais pas, on va aller sur Vénus du coup. Allez, Vénus. Let's go. Oh. Vas-y, vas-y, donnez vos pseudos, y'a pas de soucis. Notre nouvel ami doit posséder des talents très spéciaux pour avoir pu nous joindre comme ça. Son message radio venait de quelque part dans les jungles de Vénus. No problem. Pain, 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 pain. Salut Nicolas. Comment ça va? Cette colonie a été bâtie par le collectif. En ce superbe dimanche dégueulasse. Ils étudiaient des ruines plus anciennes que l'humanité. Tout a sans doute été perdu lors de la chute. Ah mais oui, Vénus, on va, c'est les Vex. C'est le premier coup qu'on se bat avec les Vex, Vénus. Je me souvenais plus. Rien. Je n'aime pas l'idée de crapahuter ici sans avoir une idée claire de la topographie. Je dois aller où? Il y avait un avant-poste des gardiens par ici autrefois. Là-bas, ok.
Voyons si on peut en tirer quelque chose. Salut Guillaume. Non, non, là je suis sur, sur Destiny 1 là. Mais oui, sur Destiny 2 je joue PC moi. PC est obligé, moi une manette, c'est compliqué la manette pour moi. J'ai beaucoup de mal. C'est abstrait une manette à diriger. Je préfère une petite souris. Je ne savais pas qu'il y avait des corrompus déjà. What the fuck? Mon spectre, ok. Connexion établie. Allez, pas trop, parfait. Ça parle un peu partout de machines VFX. Indestructibles, implacables, extrêmement intelligentes. Et elles peuvent se téléporter. Bon, on s'en bat les couilles de lui. On s'en fout en vrai. Oh là là. Merde, tu crois. C'est ça que je voulais utiliser. Mais lâche-moi la grappe, toi. Mais ils sont d'une lourdeur, c'est incroyable. Cassez-vous. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tous ces... Ils sont sérieux? Quoi ce bordel? Salut Shepard, comment ça va? Les détecteurs. Moi je suis fatigué. Fatigué d'hier soir. C'est dur. Oh mais là je me fais... Qu'est-ce qu'ils foutent là tous ces cons? C'est incroyable de se faire emmerder comme ça par ces corrompus. C'est fou qu'il y en ait autant. C'est de la folie. Ces détecteurs sont efficaces. Ils couvrent des kilomètres. Ok. Je devrais pouvoir... Et toi, Shepard, ça va? Passez un bon week-end. Histoire de voir ce qu'elle voulait montrer. Parce que là, c'est vrai qu'on est quasiment à la fin du week-end, quand même. Je vais où, là? De l'autre côté? Let's go. Oh yes, un petit casque, tu peux voir. Parfait. Parfait. Ah, ça se voit tant que ça. C'est moche. C'est moche que ce soit flagrant comme ça. Ok, on va là-haut.
Et c'est là qu'on va croiser les Vex. Me semble-t-il. Dans la bibliothèque. Je détecte des Vex. Tout autour de nous. Les coordonnées mènent ici. Mais qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vérifier. Allez. Allez, allez. En avant. Incroyable. Une confluence de rayons non baryoniques. C'est incroyable. Non, 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 les Vex. Mettons-nous à couvert. Ils sont pleins, ces bâtards. Ah. Ouh, le gobelin, t'as pas aimé. Oh là, ça tire tout à côté. Je croyais qu'il y avait du aim assist sur les sur console. Il est où le aim assist là? C'est pas du tout assisté. Ah, il était con aussi le gobelin. Ce super. Ça fait vraiment une espèce de boule qui tombe à tes pieds, quoi. Ça va pas du tout loin. Totalement à chier. Ah, de la lourde. Parfait. Je me souvenais plus que c'était long comme ça, cette phase. Il me semblait qu'à partir du moment où t'avais buté le Minotaur, c'était fini. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok. Question sur l'arc monarque et le Jotun, c'est bien deux armatures légendaires max que l'on... Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Du coup, t'es obligé de la faire sur plusieurs semaines à la suite et c'est un petit peu long. Mais oui, tu peux pas en forger, tous les jours. C'est un peu chiant. De toute façon, c'est des armes du diable. Salut Antoine, comment ça va? Bien joué. Oh! C'est vous. Notre meilleur ami. Nous devons faire vite. Qui êtes-vous? Pourquoi nous suiviez-vous? Je vous l'expliquerai bien, mais j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Oui, oui, je vais le faire. Faire quoi? Je ne m'adressais pas à toi, petite lumière. Petite lumière. Tant de gardiens. Bah ouais, ça va.
Fatigué, mais ça va. Même les plus forts. Mais vous, vous avez réussi. Oui, j'écoute. Ils sont ici, avec moi. À qui parle-t-elle ? Bien compris. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Tire à la hanche. Vous avez besoin de moi, gardien. Est-ce pourquoi vous nous avez guidés jusqu'ici ? Je prends. Ça, j'en ai rien à foutre. Ce sont eux qui nous ont guidés jusqu'ici. Soit... Ouh, 86. La race parfait. La plus magnifique qui puisse exister. Parfait, parfait. Vous n'êtes pas de rien. Ça fait chier que ça t'ait supprimé un message. Ce n'est pas la lumière qui m'a créé. Ça fait chier que ça t'ait fait supprimer un message. Mais si nous unissons nos forces, nous les brisons. Que savez-vous du Jardin Noir ? Je veux ton flingue surtout, meuf. C'est là que réside la pire menace qui pèse contre nous. Ces machines viennent de là. Donne-moi ton flingue. Trouvez le Jardin Noir et détruisez son cœur. C'est le seul moyen de sauver votre voyageur. Comptez-vous nous y aider ? D'autres défis m'attendent. Désolé. Si nous voulons trouver le Jardin Noir, nous devons aller voir les éveillés. Ah oui, les éveillés. Ceux-là même qui hésitent entre l'ombre et la lumière. Il faut toujours choisir son camp, petite lumière. Bah, moi, je choisirais direct l'ombre. Même si c'est le mauvais. Trop tard, je rentre. Ils sont nombreux. Ne bougez pas, coupez les moteurs et ne vous faites pas repérer. Directement l'ombre. Cache. Donc, où les trouve-t-on, ces éveillés ? Ils vivent très loin, au bord même des ténèbres. La lumière... Que ça... Oh, bâtard. Ça y est, Antoine, il est en mode taquin encore. Avec les robots tueurs ? Non. Petite lumière. Ne commencez pas. Méfie-toi, Antoine. Mardi, vont nous annoncer qu'on y retourne pour une saison complète. Avec une mise à jour du boss final. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, je vais à la tour. À la tour. Hop là, petit contrat. Ouais, je sais bien que t'as pas la prochaine saison. J'espère que ça va être bien quand même. Maîtrise du vortex. Bombe Nova, Vortex, Dislocation. Et c'est quoi déjà là ? Attends, parce que t'en as réécrit ? Attends. T'as réécrit où ? Parce que moi j'ai toujours... Pourquoi ? Attends, mais... Nouvelle activité, nanana... Si, mais ouais, je les ai lus. Non, je croyais que t'avais en avait réécrit encore d'autres. Oh putain, il y a plein de monde. Oh là, c'est la folie.
Ces engrammes sont plus. J'espère surtout que ça va pas te les supprimer comme ça a fait. À bientôt. Ah, mais c'est Eris à qui on n'a pas parlé. Vous avez vaincu le point de Kropta, mais la menace est toujours. Je l'ai oublié. Les armées de Kropta sont à la recherche. Trouver le bunker de Rasputin. Vous devez les arrêter avant qu'elles ne trouvent Rasputin. Vas-y. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu nous inventes ce soir du coup? Non, mais y a pas de soucis, Stéphane. Je finis les deux premières années du jeu pour l'histoire. Mais t'es un malade. T'es fou. Complètement fou le gars. Inventaire. Putain, on a vraiment rien. C'est la dèche. Hein. Rasputin est le dernier esprit tutélaire. Ils étaient les meilleurs systèmes de défense conçus. Un réseau massif d'armes apocalyptiques et de satellites. C'est moche. Pour protéger l'humanité. Ouais, j'ai pas eu le courage aujourd'hui. Les armées de Kropta se rassemblent près du bunker de l'esprit tutélaire. Nous ne pouvons pas permettre à la Russie la flemme complète. Rasputin, ou pire, d'en prendre le contrôle. De l'esprit tutélaire est accessible par une entrée dissimulée sous la côte oubliée. Empêchez la ruche d'atteindre Rasputin. On y va, on y va. On est parti. Rasputin reste silencieux, mais il se bat encore pour nous protéger. Si nous permettons à l'armée de Kropta de contourner les défenses de l'esprit tutélaire, ses disciples envahiront la Terre. Putain, je voulais lui rouler dessus. Allez, ça dégage. Ah, je sais plus. Ah oui, je vais descendre, je crois. Ouais, c'est ça. Putain, c'est marrant parce que tu te souviens un peu des histoires, mais pas trop quand même. Juste un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il chante l'autre. Cette musique. Rasputin est en danger. Il accueille rarement des visiteurs. Trouvez la salle de contrôle. La ruche. Oula. Elle a réussi à entrer. C'est vrai qu'elle mérite Omnigul quand même. Ne les laissez pas atteindre Rasputin. J'avoue que... Elle mérite quand même. Oula. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh là là, mais ça s'améliore. Il n'y avait pas un espèce de farm dans cette zone. Tu butais les mecs en permanence et puis tu te suicidais. Je sais même plus pourquoi c'était.
Ça devait être pour une quête à la con. Je me souviens que je farmais ici, mais je sais plus pourquoi. Est-ce qu'on a eu des trucs un peu intéressants? Qu'est-ce qu'on a là? Balistique. Oula, pas de stabilité. Allez, c'est bon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avec ta merde. Trouvez les contrôles. Vérifiez que la ruche n'a pas détruit Rasputin. Allez. La quête de la carapace du loup, ouais, c'est bien possible, ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà. Je m'en souvenais plus. Omnicule, réduisez-la au silence. Bah, vu les dégâts que je lui fais, j'ai pas eu faire mal. Ah oui, elle va se cacher derrière la vitre, c'est vrai. Et je vais vraiment tirer dessus pour rien, je me souviens plus du tout du jeu, c'est fou. Ah oui, pour le gouffre nécrotique. Nécrotique, merci les gars. Je me souvenais plus. Je sais que j'y avais passé un moment à buter les monstres, suicider, buter, suicider. Et je me souvenais plus du tout pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font, bien ou quoi? Allez, bande de cons, ouais. Invocation de crotte. Ok. Elle est où, les sorcières? Sorcières! Crève, sorcières! Connasse. Connasse. Remets des lourdes. Allez, ça c'est fait. Je crois qu'il y a des péteux qui me suivent là. Allez, non, 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 crève pas maintenant là, putain. Je les trouve plus rapides que dans Destiny 2, les petites merdes là. Dans Destiny 2, je les trouve assez lents. J'ai l'impression que là ils étaient plus rapides. Non? Vous avez pas cette impression? Oh là là. Quel relou. Mais quel relou ce mec. Mais c'est toujours pas fini. Allez, rends-moi des lourdes alors, si c'est pas fini. Fais pas le bâtard. Oh putain, j'avais oublié lui. Oh le bâtard. Oh là là, ça va être long. Oh ça va être long. Je vais me faire défoncer. Il fait trop mal. Yes. Les petites lourdes.
Vas-y, on va bouger. Ah oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand je vais lui tirer dessus, il va s'énerver, ce bâtard. Il va se vénère. Mais oui, j'ai déjà plus de balles. C'est parfait. Bah, moi, je trouve grave plus dur, mais c'est parce que je joue avec la manette. Et que sur Destiny 2, je joue avec le clavier souris. C'est surtout pour ça que c'est plus dur. Mais oui, Destiny 2 est plus accessible, c'est... je suis assez d'accord. Oh là là, oh là là. Je le fais très mal. Hein. J'ai la voix cassée, je peux pas rigoler comme un mule, c'est pas possible. Impossible. Nous ne pouvons pas nous reposer. C'est le moment de les empêcher d'éveiller l'âme de Kropta. Titi. Faut que je récupère des armes un peu potables. C'est vraiment pas simple une manette quand même. Un petit gant. Qu'est-ce qui donne le petit gant? Ta ta ta. Oh là. C'était stylé quand même. C'était beau comme jeu. C'était quelque chose de magnifique. Oh, je peux pas aller sur le récif. Bâtard. Roi des corrompus. Défi des vétérans. Ah oui, putain, le défi. La prison des vétérans, sa mère. Salut Seb. Bien et toi? Moi, fatigué, moi. Mais ça va, mais fatigué. Oh, la prison des vétérans, c'était bon, ça, c'est vrai. J'ai oublié. On oublie tous ces petits trucs, comment c'était bon. Ouais, je suis défoncé. Je vais retourner me coucher, je crois, après. Passer un bon week-end, Seb. Pas trop dur. Tout permet par source 400 lumière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Effacer l'arcaniste pour recommencer. Lors de la chute, tous ont tenté de fuir la Terre à bord de vaisseaux. C'était beau. Ils sont arrivés jusqu'ici. Avant d'y mourir, j'imagine. C'est un cimetière. Comment on fait les éveillés pour survivre? Bonne question. Intrus dans l'enceinte 127. Vous êtes maintenant en territoire éveillé. Déclinez votre identité ou vous serez abattu par ordre de la reine. Eh ouais, mon pote, tu t'es fait niquer. Dites quelque chose. Nous venons de la Terre. Nous aimerions parler avec les éveillés. T'en avais vraiment une voix de merde, quand même. Suivez ma trajectoire. Si vous en déviez, cela sera considéré comme une agression. On dirait que nous sommes au bon endroit. Pourquoi le bon endroit est-il toujours si sinistre? Allez les gars, supprimez tous un personnage. Et dans un mois, on fait un raid.
Un raid sans équipement, hein. Comme à l'époque. Alors, ce sont eux les intrus qui demandent une audience. Regardez-moi ce gros traître. La reine seule choisit qui peut entrer ou non dans son royaume. Moi, je ne vois pas pourquoi... Quel bâtard. Elle devrait accueillir tous ceux qui échouent sur notre récif. Mais c'est trop tard. Nous venons solliciter votre aide. T'es déçu. Cette petite chose craint les déchus. Elle ne sait pas. Tout le peuple éveillé s'est fait bolos par les déchus. Tellement. Mes excuses, Votre Majesté. Je suis un gardien de la Terre. Nous sommes à la recherche du Jardin Noir. Pourquoi ? Nous voulons détruire les ténèbres qu'il renferme. Oh, elle est vraiment nulle, sa voix, c'est abusé. Vous voulez le transformer en champ de bataille ? Elle est vraiment dégueulasse. Voilà qui est original. Savez-vous où il se trouve ? Tout le monde sait où il se trouve. Le vrai défi, c'est d'y entrer. Pouvez-vous nous aider ? Et pourquoi ferions-nous cela ? La reine souhaite s'entretenir avec son frère. Ouais, mais moi aussi, je suis grave chaud de faire un raid sur Destiny. Hein. Un petit Athéon, là. Franchement, un petit Athéon, ça ferait pas plaisir. Je me souviens plus du tout des mécaniques, mais ça reste quand même mon raid préféré. Oui, bien sûr. Après tout... C'était vraiment le meilleur. Pourquoi pas ? 100%. On vous fera même 100% une carte. Le meilleur. En échange de la tête de l'un des maîtres des clés Vex. Maître des clés. Pourquoi voulez-vous une tête de Vex ? Oh, pour rien. Et je doute que vous en trouviez une. Mais t'es fou, mon gars, on trouve tout, nous. Dans le jardin noir. Nous la trouverons. Ou vous mourrez sur Vénus. Ouais, Cropta aussi, ouais. Cropta ou Athéon, je sais pas. Peut-être Athéon quand même. Waouh, Rick, c'était chiant. Non ? Moi, franchement, si je refais, je pense que ce sera plus... Enfin, en fait, je les referais bien tous. Mais Athéon Cropta, c'est quand même mes préférés. Oryx, je suis moins... Moins fan, on va dire. Oryx. La prochaine fois, consultez-moi avant de Athéon, prendre quelque chose d'idiot. Ah ouais. Si nous voulons abattre un maître des clés, nous devons découvrir... J'aurais inversé Cropta et Oryx, tu vois. Cherchons la plus grosse, décortiquons-la et essayons d'en apprendre plus. Radiance. J'ai peut-être joué un peu solaire pour voir. Ok. Il y a un fort signal Vex sur la côte. Quoi que ce soit, tuons cette chose et apportons son noyau cérébral. Alors, on va où ? On va où ? On va là-bas. On va là-bas.
Et bam. Ah ouais, t'as jamais fini Athéon? Putain, c'est pourtant... Ah, je pense quand même c'est préféré Athéon. Oh bah non, mais Axis, il était nul. Pff, il était pété ce raid, c'était vraiment à chier. Non, je l'aimais pas du tout. Attends, mais je vais peut-être pas tout me taper à pied en fait. Après Athéon, c'est vrai que la phase finale avec les boucliers et tout, t'avais intérêt de tomber dans des groupes pas trop mauvais parce que c'était quand même galère. Ça c'est comme Oryx quand tu tombais avec des gars qui savaient pas sauter sur les plateformes là, putain c'est enfer. Tu passais des heures là, des conneries. Je crois que c'est ce qu'on cherchait. Salut Shadow, comment ça va? Oh! Oh là là! Oh, j'ai failli me faire défoncer! Je me souvenais plus qu'il était là, lui. Attendez, je crois que nous avons un problème. What? Noyau cérébral Vex. Ok. C'est fascinant. Collecté. Rendons-nous à cette station de recherche. On s'en fout. Bah, moi ça va, fatigué. Mais... J'ai la voix qui part en couille complète, ça va. Leurs noyaux cérébraux sont biologiques. C'est différent de toutes les formes de vie connues. Je me demande ce qu'on peut trouver sur eux. Ces ruines sont plus vieilles que l'humanité de quelques milliards d'années. Et elles grouillent littéralement. Bah là sur PS4 là, pour Destiny 1. Mais autrement, Destiny 2, PC. PC, 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 PC. Aïe. Et là PS4. Station de recherche. Bichu, la réduise en miettes. Vas-y, j'ai envie de jouer solaire. On change comme ça, on fait un test. Comment avant, j'adorais jouer éclaireur. Je déteste ça maintenant. Et sur Destiny 1, je kiffais jouer éclaireur. Je sais pas pourquoi. Alors que sur Destiny 2, mais vraiment, ça me... C'est vraiment l'arme qui me saoule de fou. Et mais j'ai même pas double saut, putain. Allez, hop là. Beau travail. Ça c'est fait. Il doit y avoir un terminal central par ici.
J'en ai trouvé un. Je vais recharger quand même. Ah putain, mais j'ai pas le double saut, je pourrais pas monter sur le toit. Merde. Hein, je vais être baisé. Je vais voir ce qu'ils ont découvert ici. Je vais être baisé, je peux pas monter sur le toit. Les mecs s'en approchent. D'habitude, je me cache sur le toit, putain. Je peux pas. Tant pis. Oula. J'ai trompé d'arme. Dégage-toi. Ah oui, mais la vision des confluences. C'était tellement bien cette arme. La meilleure arme de tous les temps. Mais vraiment. Sans hésitation. Non, non, mais ouais, vision des conférences. Ouais, la Mida. Ah ouais, à cause du Mida. Calmez-vous, les gars. Ça va bien se passer. Pas besoin de s'énerver comme ça. À se bagarrer. Tout va bien. Remarque peut-être que là dans le prochain artefact on va avoir fusil impulsion fils d'éclaireur. Ça se trouve. Pour augmenter les armes, vu que là on a eu revolver, PM et fusil d'assaut. Moi perso ça m'arrangerait bien parce que j'adore jouer fusil impulsion. Merde, c'est vrai que j'ai pas le double saut, putain c'est chiant ça. C'est vraiment mon kiff le fusil impulsion. J'adore ça. Qu'est-ce que tu me fais chier avec des revolvers toi? Ouh. Yes, grenade. Là-bas. Putain, mais pourquoi j'ai pas double saut, c'est chiant. C'est ultra chiant. Non, mais j'avais déjà joué avant, j'ai pas attaqué tout à l'heure. J'avais déjà joué un petit peu. Pas beaucoup mais un petit peu. Il y a juste un pélo qui m'emmerde. Il est là ce con. Mais qu'est-ce que vous faites là les gars? Vous voulez pas attaquer, vous restez dans votre coin et vous attendez. Oh les cons. C'est quoi qu'il y a sur nous? Oh là là, on récupère plein de trucs. Parfait ça. Allez, dégage. Ça c'est fait. J'ai presque fini. C'est parfait. Et oui, c'est fini. Je sais comment trouver un maître des clés. Chaque Vex appartient à un réseau géant qui traverse le cœur de la planète. Si j'arrive à pénétrer dans leur système, on pourra attirer. 67 ou 72. 67, 67. On va peut-être aller voir un coup le cri de Tark quand même. L'ami cri de Tark. Peut-être nous filer un truc.
Bah tiens, pompe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on retourne à la tour. On va aller décrypter un peu tout ça. Ah ouais, il y avait un coffre d'or. Moi, j'avoue que j'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Je suis pas en état de chercher des trucs là. Qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? Allez, ouvre le cardé. Attends, mais j'étais sous le carnet là, casse pas les couilles. Alors. Ok. Je me souviens même plus ce que c'est ce carnet. Ok. Attends, mais redonne-moi mon carnet là. Ok. Espace insuffisant. J'en ai rien à foutre. Ok, ok. Serrer les rangs. Ok. Je me souviens plus tout ce que c'est ces trucs là. J'en ai encore, mais il y a combien de pages? Ah oui, 13 pages pro. Costume excentrique. Écho des ténèbres. Ok. 12, 13. Alors. Nous avons de nouveaux engrammes qui pourraient... Je savais très bien que vous y arriveriez. C'est nul. Ouh, 101. On va bientôt être chaud. 70, 80. Ah oui, on a eu plein d'emblèmes à la con. T'as pas des petits flingues, toi? Vous êtes au bon endroit. Prototype. Ah oui, niveau 38, putain. Gardien. Laisse tomber. Votre nom? Au revoir. Bon, on va se faire une petite dernière mission. Et après, je pense que je vais retourner me coucher. L'esprit tutélaire est en sécurité. Mais l'âme de Kropta s'éveille. Allez, on va aller se faire un petit... On va aller voir ce qu'on se fait. Une petite dernière. Alors, ça, ah, au moins on a l'ol plané, le saut le plus pourri de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on a à foutre sur la Lune? Temple de Crota détruisait son âme, ok, ou alors on peut...
Tirer le maître des clés Vex qui protège les marches infinies. Vas-y, maître des clés. Feu. On va faire celle-là, puis je pense que j'arrêterai derrière. Je vais retourner faire une petite sieste là. Parce que je suis mort. Plus nous en apprenons sur les Vex, plus je comprends pourquoi notre ami Exo était inquiète. Pendant la chute, il leur a suffi de quelques jours pour transformer Mercure en machine. Ils auraient envahi toutes les planètes si le voyageur ne les avait pas arrêtés. Nous devons pénétrer dans le jardin noir. Il nous faut cette tête de maître des clés. Pain, 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 pain. Allez, feu. Pour commencer, il faut que vous me fassiez entrer dans le réseau Vex pour que j'attire un maître des clés. Où on va? Je passe devant. Là-bas. Ok. Let's go. Voilà ce qu'on sait sur les maîtres des clés. Haut comme trois étages, ils protègent les royaumes que les Vex isolent hors du temps. Comment ça, hors du temps? Ah aussi, ça monte. J'ai cru que j'allais me bouffer le mur comme un gros naze. Mais en fait, non, ça monte. Ça passe tranquillou. Je capte une déchirure importante à proximité. Je peux m'en servir pour entrer dans leur réseau. Allez. Oh, c'est vraiment le pire saut. Oh, le Minotaur avec les points d'interrogation. Je vais prendre cher. Jamais dû lui tirer dessus. Je crois qu'il m'a oublié, j'espère. Parce que autrement, je suis dans. Oh là là, le saut de l'enfer, quoi. Ok, super. Super. Pas me donner ma grenade, ce bâtard. Non, mais ultra bien résistant. Mais... J'aurais dû prendre un fusil à fusion, je pense que ça aurait été mieux. Contre ces gros cons. Finalement, c'est moi qui travaille le plus. Okay. Nous devons nous rendre à un endroit nommé les Marches Infinies. C'est là que se trouve le maître des clés. Eh ben, on y va. Allez, c'est par où? Poète, 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 poète. Oh, j'ai failli oublier. Pour trouver le maître des clés, j'ai dû bidouiller tous leurs portails de transfert. Du coup, vous ne risquez pas de vous ennuyer.
Putain, mais y a personne. Les portails s'actionnent. Il faut les fermer, sinon il y aura toujours de nouveaux ennemis. Ah oui, il faut tirer dans leur portail. Vous devez détruire les portails. Oui, 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 je sais, je sais. Ça a marché. Continuez comme ça. Ah merde, je l'ai pas vu. Heureusement qu'il tire pas vite, hein. Oh là là, mais c'est enfer les grenades. Putain, les manettes, c'est vraiment de la merde, c'est incroyable. C'est l'enfer. Ça c'est fermé. Et j'avais fermé le portail d'où ils sortent. Ils apparaissent après coup, tu sais. C'est la fête. Quelle bande de bâtards. Chauffer, je viens de refaire un perso. Mais oui, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et dans un mois, en avant Arthéon et Crota. Que je sois pas tout seul. Oh là. Quoi? Comment je rate? Sur le lancer de grenade parce que c'est pas ça encore. Ça, ça pète. À côté. C'est vraiment la galère. Oh là là. T'as refait quoi comme perso du coup, un arcaniste ou autre chose?
C'est là que nous trouverons le maître des clés. Allons-y. Ah, celle-là était mieux lancée. Est-ce qu'on arrive à sauter en face ? Magnifique. Magnifique. Bon, moi j'ai le Gjallarhorn. 60. Oh, attends, on va essayer de jouer au pistolet. Ça va pas être facile, mais on va tenter. On va tenter. Là, je promets rien. Ah, bah attends, on a un revolver qui se one-shot pas. What the fuck? Ah merde, j'en ai derrière. Putain, j'avais pas vu. C'est la merde. C'est la grosse merde. C'est bon, on va s'en sortir. Yes. Putain, mais ils sont où tous? En fait, ils arrivent parce que je les ai... Ils sont pas contents que je sois pas allé les voir. Vous êtes fâchés. Allez, ça dégage. Attends, on a récupéré des lourdes, on va recharger quand même. Pourra toujours servir ça. Hop, dégage-toi. Allez, hop. T'as plus qu'une balle. Je m'améliore un peu. Allez-y, ajoutez-moi, j'accepterai après là. Une fois que j'aurai. Quand j'aurai arrêté le live. Très bien. À mon avis, vous allez devoir. Tu vois, cramer. Juste cramer. Vous êtes dégueulasse de toute façon. Je tiens à rappeler que tout ceci, c'est vous qui. Je vais me barrer, tiens. Non mais gros, triche pas. Le mec il se cache, c'est. Il fait 7 mètres de haut, il se cache. Quel bâtard. Oh mais ça va quoi. Surtout redonnez pas de balles de snipe quoi. Des fois que ça pourrait me servir. Ce serait dommage quand même que ça se passe bien pour moi. Oh, on est bien. On réapprend à tirer. On va y arriver, on va y arriver. Oh là là, on se débrouille à la manette. Putain, c'est tellement chaud ces manettes. Je sais pas comment vous faites. Vraiment, ça m'impressionne. Tous les joueurs à la console là. Oh là là, c'est tellement dur. Non. N'abuse pas. Oh.
Casse-toi du milieu, toi. Ton sac. Bon, écoute. Tant pis, hein. Il est mort, il est mort. Oh merde, il y avait des lourdes ici. Bon boulot. Je n'ai plus qu'à téléporter sa tête. Ça a intérêt à nous donner accès au jardin noir. Niveau 15. Allons chercher notre clé chez la reine. Parfait. Parfait, on a l'ulti. On est bien. On a récupéré un pompe. C'est totalement parfait. Bon, je vais repasser à la tour. Et puis je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais aller me coucher, je crois. Je suis vraiment défoncé. Yes, Seb. Ah non, bah on va se mater la petite vidéo, puis on va... Il est en vie. Et il a toujours son joujou. Il n'y a aucune honte à fuir, gardien. Si la lâcheté et l'échec vous conviennent, c'est une excellente stratégie. Nous n'avons pas fui. N'ont-ils pas terrassé un maître des clés? Oh que si, nous l'avons fait. Spectre. Nous devons trouver le jardin noir. Ils ne savent même pas où il se trouve. Nous leur dirons. Prenez sur le maître des clés ce qui leur ouvrira les portes. Pourquoi? Si vous souhaitez leur mort, autant les tuer tout de suite. Celui qui cherche à deviner les motifs d'autrui ne trahit souvent que les siens. Mon seul motif est ma loyauté envers mon peuple. Arrête de mentir, t'es un gros bâtard, toi. Alors faites. Prenez ce qu'il leur faut. Quel con. Mais quel con. Mort, malheureusement, ça ne marchera plus. Possible, mais je crois en leur ingéniosité. Acceptez notre don au nom du voyageur. Mars, 84 Nord. 32 Est, baie du Méridien. J'ai fait preuve de bonté, gardien. Si un jour les éveillés ont besoin d'aide, je m'attends à la même bienveillance de votre part. Vous nous êtes redevable. Oui, gardien. Calmez-vous tous là. J'ai compris. Votre Majesté. Bonne chance pour traverser la zone d'exclusion.
Il nous emmène où alors? Oh là là, les temps de chargement comme c'est long, c'est fou. C'est fou cette console. C'est planté ou quoi? Bon, je sais pas. Ah, voilà. Oh putain, on y est. Bon, allez, on fait juste un tour ici et après je vous laisse. Mais ça vaut le coup de revoir la zone quand même. Je l'avais oublié, le récif, putain, c'était stylé, le récif. Arcaniste, non? Sachez que je m'en sépare, n'hésitez pas. Ah là là, on était bien ici. Cette unité est disponible pour réaffectation. Ouh, qu'est-ce qu'on a à la poste? À votre service. De la merde. Interaction terminée. De la merde. Contente de vous voir, gardien. Et Petra, qu'est-ce que tu dis? Parlez à Varix. Nous allons chasser des loups ensemble. Vas-y. Prenez le temps de visiter. Vous trouverez des... Je vais leur parler. Je vais leur parler et après j'arrête. Oui, oui. Bienvenue ici. Varix, ok. Je suis Varix, de la maison. Ok, on s'en fout, tu dis rien. Je vous aiderai à retrouver les loups. Et vous direz du bien de moi, à Petra. Je suis impatient. Ta-ta-ta-ta. Oh, frère Vance. Comment ça va, frère Vance? Je n'avais jamais vu autant de lumière émaner de quelqu'un. Oh. Maintenant, parlez à Petra Venge. Let's go. Putain, mais on a tellement de trucs à faire sur Destiny. Hein. C'est fou. Prêt pour l'aventure, gardien? L'ire de la reine est à vos côtés. Que la chasse commence. Traquer et tuer Draxis. Allez. Bon, allez, je vais arrêter là pour ce soir. Je suis défoncé. Je vais aller me coucher. Ça va finir mon week-end. Merci à tous ceux qui sont passés voir. Merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous aurez le replay de toute façon si vous voulez jeter un coup d'œil. Et puis on se dit à dans la semaine là. Je pense qu'on se refera un petit live mardi soir à mon avis. Et puis peut-être pas mardi soir parce que mardi soir va y avoir l'annonce de la saison. Peut-être que du coup le live on le fera jeudi plutôt. Et puis on sortira. Yes, bonne nuit. Ah chose, ça va? Je t'avais pas vu chose. T'es resté caché dans l'ombre. Ouais, t'es resté caché dans l'ombre. Ouais grave, je vais me coucher là, je suis défoncé. J'en peux plus. Donc ouais, je pense du coup jeudi soir le live. Mardi vu qu'il y a l'annonce, je pense que je vais regarder ça vite fait. Et puis voilà. Du coup, les gars, je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end. Et puis on se capte dans la semaine. Allez, ciao. Bonne soirée à vous.